Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim. Hakim, bonjour, bonjour à tous. Le sommet de l'OCI s'est achevé à Banjul en dénonçant le génocide sioniste sur Gaza et saluant les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Pas d'accord de cesser le feu à Gaza, Hamas a quitté le Caire et pointe du doigt les manœuvres de Netanyahou qui a saboté les discussions. Tout est fin prêt pour le lancement du programme ADL3, le ministre de l'Habitat l'a annoncé en marge du salon Batimatech. Le malaise social au Maroc se poursuit, une grève de 3 jours débute aujourd'hui dans les secteurs de la santé et de la justice. Et nous parlerons des journées cinématographiques de Sétif où plusieurs courts-métrages sont en compétition. En football, à suivre le match de mise à jour du championnat de Ligue 1 avec au programme à 19h Stade Nelson Mandela, USMA d'Alger, JSKP. Bonjour à tous. Les efforts de l'Algérie en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et pour la reconnaissance de l'État de Palestine mis en avant par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique à Banjul, au terme des travaux du 15e sommet. Sommet qui a salué par ailleurs dans son communiqué final l'amorce de consultation entre le président de la République Hamadi Tebboune, son homologue tunisien Kais Saied et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El Menfi lors de la réunion de Tunis le 22 avril dernier. Les détails avec l'envoyé de la radio Hamel Bouhaza. Ah bonjour. Dans son communiqué final, elle souligne le rôle que joue l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, particulièrement à travers l'adoption de la résolution 2728 pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Elle évoque en outre la tenue le 12 octobre 2022 de la conférence d'unification des rangs palestiniens comme une étape vers l'unité nationale palestinienne et qui a été couronnée par la déclaration d'Alger. L'organisation salue également la tenue le 22 avril dernier de la réunion consultative tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, durant laquelle les dirigeants de ces trois pays ont exprimé leur volonté d'intensifier les consultations afin de consolider la sécurité, la stabilité et le progrès dans la région. Sur le plan sécuritaire, l'OCI rappelle la contribution active de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel à travers notamment l'organisation de programmes de formation au niveau du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. L'OCI salue le leadership du président algérien Abdelmadjid Tebboune en tant que coordinateur de l'Union africaine dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'organisation par l'Algérie de Chemex Africa et du 7e sommet des pays exportateurs de gaz ont également été mis en exergue dans le document final de la capitale gambienne Banjul. Amel Bouazza pour la radio algérienne. La cause palestinienne qui traverse aujourd'hui la phase la plus difficile de son histoire à la lumière de l'agression sioniste permanente contre nos frères dans la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens occupés. Déclaration du ministre des Affaires étrangères Hamad Attaf qui a reçu hier son homologue bahreïni Abdelatif Ben Rachid El Zayani qui effectue une visite officielle en Algérie. Parmi les points abordés également, le prochain sommet arabe de Manama qui intervient dans un contexte extrêmement sensible, complexe et dangereux pour notre nation arabe en général et pour notre cause centrale, la cause palestinienne en particulier, souligne Attaf. Et l'Algérie ne ménage aucun effort diplomatique, politique ou humanitaire en faveur de la cause palestinienne, a réussi à acheminer de nouvelles aides humanitaires aux Palestiniens de Gaza sous bombardement pour le 214e jour. Emad Abouchaoui, journaliste palestinien, en parle à Linda Hamed. L'Algérie, peuple, parlement et gouvernement, à leur tête son président Abdelmadjid Tebboune, ont parlé d'une seule voix pour soutenir la Palestine et le peuple palestinien. Pas plus tard que ce week-end, un grand nombre de camions et d'aides humanitaires algériennes sont entrés à Gaza en dépit des restrictions imposées par l'occupation. Des camions ont flanqué du drapeau de l'Algérie sur instruction du président algérien. Des aides qui ont déjà été dirigées vers notre peuple privé d'aide alimentaire et qui ont grandement besoin. L'Algérie, qui n'est jamais restée les bras croisés pour aider la Palestine, tant en matière d'aide qu'en action diplomatique ou politique. Pendant ce temps, le génocide sioniste se poursuit. 16 Palestiniens issus de deux familles sont tombés en martyr hier soir dans un bombardement ciblant deux maisons dans la ville de Rafah. Le plan de Netanyahou de poursuivre son agression génocidaire se confirme au Caire où il a saboté les discussions sur une éventuelle trêve. Hamas, qui a quitté la capitale égyptienne, dénonce ses agissements et maintient sa position. L'arrêt total de l'agression sur Gaza. Youssef Hamdan, représentant du Hamas à Alger, il en parle à Karima Abanour.
Notre mouvement a entrepris ces négociations avec tout le sérieux qui caractérise nos échanges. On a eu des consultations avec les pays médiateurs, le Qatar et l'Égypte, mais aussi avec nos frères des factions palestiniennes. On s'est rendu au Caire avec une position positive et prêt à des concessions, mais sans pour autant reculer sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Netanyahou lui invente des entraves et bloque l'accord pour poursuivre sa guerre. Il cherche à se maintenir à la tête de son gouvernement. Il torpille ainsi les efforts de médiation. Les déclarations américaines ne sont pas à prendre en considération, étant son allié et fournisseur d'armement. Washington devrait plutôt faire pression sur l'entité sioniste pour que cesse la guerre. Et l'occupant israélien qui a l'intention de poursuivre le génocide contre le peuple palestinien sans témoin et sans documentation après sa décision de fermer le bureau de la chaîne Al Jazeera dans les territoires de 1948 et à Al-Quds, le syndicat des journalistes palestiniens condamné rappelle que cette décision n'est pas la première de l'occupation qui a tué 135 journalistes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Sur le volet judiciaire, 200 avocats néerlandais ont déposé une plainte à la CPI à l'encontre de responsables sionistes pour les crimes commis à Gaza, à leur tête le premier ministre sioniste Netanyahou et un bon nombre de responsables politiques et militaires. Malaise social au Maroc qui se poursuit avec une nouvelle grève générale de 3 jours. Elle est annoncée à partir d'aujourd'hui à l'appel des syndicats de la santé et de la justice. Une grève qui sera suivie de grandes manifestations annoncées également. Sahara occidental et la création et le financement de médias de propagande par le Marzen dénoncé par les participants à la première conférence de solidarité avec le peuple sahraoui, pas moins de 500 sites, 10 chaînes de télévision et de 18 journaux s'emploient sous la houlette de Rabat à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale sur l'occupation et les exactions au Sahara occidental occupé. Le programme de logement ADL3 est ficelé et sera lancé prochainement. Le ministre de l'Habitat l'a annoncé hier en marge du salon Batimatech. Mohamed Belaribi a souligné que son secteur a lancé pour cette année un programme de 460 000 logements, toutes formules confondues. Ibtihal Antoun. Le taux d'avancement des préparatifs pour le lancement des souscriptions a atteint les 90% et l'opération sera 100% numérique. Mohamed Tarak Belaribi, ministre de l'Habitat. Une fois que nous aurons parachevé les affectations dans le cadre du programme ADL2, soit avant le 5 juillet prochain ou plus tard, nous lancerons le programme ADL3. Les choses sont à un stade très avancé au niveau de l'agence ADL. Une réunion d'ailleurs a eu lieu il y a quelques jours au niveau du ministère pour examiner le cadre juridique régissant la formule location-vente en vue de modifier les décrets exécutifs relatifs au programme ADL. Parallèlement au programme ADL3, un nouveau programme de réalisation de logements LPP sera lancé directement après le lancement des souscriptions au programme ADL3. Mohamed Tarak Belaribi. Nous nous préparons pour le lancement de l'ADL3. Juste après le lancement du programme, nous commencerons le programme LPP et nous allons lancer l'opération de souscription pour la deuxième fois. Notre objectif est de rendre le logement accessible pour les citoyens algériens, quel que soit leur revenu, afin de donner à cette classe une chance d'accéder à des logements avec des salaires adaptés à leurs revenus. En 2024, 460 000 logements seront lancés, accompagnés d'un budget de près de 313 milliards de dinars dédiés au logement de toutes formules confondues. Et le salon Batimatech qui met en avant la dynamique que connaît le secteur des matériaux de construction en Algérie ces dernières années. Cela s'est traduit par le volume des exportations de ciment qui ont atteint 747 millions de dollars en 2023 selon le ministre du Commerce. La décision de la revalorisation des pensions et allocations de retraite allant jusqu'à 15% doit être entérinée lors du prochain conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune. Ce taux d'augmentation vient consacrer le caractère social de l'État. Une décision salué par les bénéficiaires. Reportage Sophia Boukacha. Une revalorisation allant de 10 à 15%, plus de 3 millions seront concernés. Les bénéficiaires saluent cette décision. C'est une très bonne augmentation, alhamdoulilah, qui va arriver au bon moment. C'est un bon geste du président de pouvoir être soulagé des retraités. Nous remercions le président de la République qui a
à chaque fois à penser à préserver la dignité du citoyen. Cette augmentation est un acquis, elle va améliorer notre situation et notre pouvoir d'achat. Une nouvelle augmentation des pensions de retraite qui vient consacrer le caractère social de l'État. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Une augmentation qui n'était pas attendue, hein, donc il faut le rappeler. C'est un effort considérable qui est consenti par le Trésor public et qui vient, en plus des augmentations consenties antérieurement, améliorer les conditions de vie, mais surtout améliorer du pouvoir d'achat dans un contexte qui a été marqué par une inflation qui a impacté sérieusement le pouvoir d'achat des Algériens. Il faut la considérer surtout par rapport à sa dimension sociale, consacrer le caractère social de l'État. Cette tendance s'inscrit dans la continuité des mesures prises par les pouvoirs publics pour la préservation du pouvoir d'achat de cette frange de la société. À suivre dans l'invité de la rédaction après ce journal, Souleil Hachmi reçoit le secrétaire général de l'UGTA, Amar Takjout, pour parler du monde du travail. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, a supervisé hier à Bouira une manœuvre internationale de la protection civile simulant un fort séisme et à laquelle ont participé des détachements de renfort aux premières interventions de 42 wilayas ainsi qu'une équipe venue de Tunisie. Décès du journaliste Abdelhalim Atir, correspondant de la chaîne Chourouk News à Ouargla, la direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique. Et puis, décès également de la Moudjahida Wissi Awali à l'âge de 86 ans. La défunte a rejoint l'ALN en 1956 et devient commissaire politique avant de rejoindre les rangs du MALC sous la responsabilité de Abdel Hafid Boussouf. La défunte sera inhumée aujourd'hui au cimetière d'El Alia après la prière de Dor. Vous pouvez suivre à partir de 10h, un nouveau programme de la radio algérienne sur les ondes de la chaîne 3 et la RAI et Firkia FM, rencontre de la citoyenneté qui va traiter de sujets politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce premier numéro sera consacré à la liberté d'expression dans le double standard des médias mainstream en présence d'experts et de spécialistes dans Michel Collant, Majid Naama et ou encore Ahmed Ben Saada et Hassan Qassimi. Direction Sétif qui accueille les journées cinématographiques international et la projection du film Olivia du jeune réalisateur algérien Chaouki Boukef, un court métrage en hommage au peuple palestinien et au drame qu'il vit ces derniers jours. Les détails avec notre envoyé spécial Asetif Tabomati. Olivia est un film qui nous plonge dans l'histoire et le quotidien d'une jeune femme palestinienne, obligée de quitter sa terre d'olivier pour protéger son fils unique. Une fois arrivée à destination, rien ne se passe comme prévu. Chaouki Boukef, réalisateur de ce court-métrage. Olivia a fui sa terre natale et la Palestine à cause de la guerre et des massacres que subit quotidiennement le peuple palestinien. Elle est partie vers d'autres horizons, pas d'endroits géographiques ou de pays précis. Mais une fois arrivée, elle se rend compte que rien et aucune terre ne la consolera. Rien ne remplacera sa terre natale, elle se rend compte de son obligation, du combat qu'elle doit mener. Après un burn-out, un moment de réflexion, elle retourne en Palestine pour combattre le colon israélien et défendre ses terres d'olivier, d'où l'intitulé de mon film. Quant au public cinéphile de Sétif, il était au rendez-vous. D'abord, c'était une très belle après-midi. J'ai beaucoup apprécié tous les courts-métrages, mais le plus, bien sûr, le film palestinien, parce qu'il démontre la vie au quotidien, l'humiliation, les brimades, les meurtres horribles commis sur les Palestiniens et c'était très poignant. C'est un film qui est très important avec la situation actuelle, ça en dit beaucoup sur les choses actuellement et après les courts-métrages, ils étaient trouvés très intéressants. Ce soir, il y aura la projection de 4 autres courts-métrages en compétition et le long-métrage intitulé Jusqu'à la fin des temps de la réalisatrice Yasmine Chouir. De Sétif, Fatah Boumadi, Alger Chin 3. À suivre en football, le match de mise à jour ce soir à 19h au stade Nelson Mandela entre l'USMA d'Alger et la JS Kabylie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La météo Hakim Bey.